Je vais laisser la parole directement à Fabienne Launay et à Alice Lemaire sur les outils pour appuyer l'aide à la décision. S'il nous reste quelques minutes, éventuellement, on pourra en prendre une ou deux questions globales sur la thématique. Donc, restez à proximité pour conclure la séquence. Donc, bonjour à tous. Nous allons vous présenter nous les outils pour s'adapter au changement climatique. Donc avec Alice qui conclura ma petite introduction là sur les outils qui ont été créés récemment. On a choisi ces outils-là, vous les présenter aujourd'hui. Donc ces outils sont à destination en premier lieu des éleveurs, bien sûr, des futurs éleveurs aussi. Ça peut être des collectifs d'éleveurs, des techniciens, des enseignants. Et dans ces outils, l'idée, c'est de transmettre les connaissances actuelles sur les leviers et les stratégies d'adaptation au changement climatique, de sensibiliser aussi aux impacts du changement climatique et, dans d'autres types d'outils, de chiffrer ces impacts, de trouver et simuler des solutions face aux aléas climatiques. Donc, les deux types d'outils que je vais vous présenter juste après, une fois que j'aurai donné la parole à Alice, c'est le centre de ressources qui s'appelle Aclimel, que vous a présenté tout à l'heure rapidement Aurélie, et son nouveau module Levier. Donc, ça, ce sont des outils qui ont été financés par les interprofessions, donc le CNIEL, Interbev, la CNE, et ça a été coordonné par l'Institut de l'élevage, mais bien sûr, ce sont des outils qui ont été créés, conçus en partenariat avec Chambre d'agriculture France, Eliance et BTPL. Et le deuxième type d'outil que je vous présenterai juste après, ce sera l'outil Climaléa Test et Climaléa Diag Bovin. Donc ça, c'est des outils qui ont été initiés dans des projets multipartenariaux qui sont régionaux, qui s'appellent Climavège et Fermadapt, et qui ont été créés en partenariat avec les réseaux CIVAM, les chambres d'agriculture Pays de la Loire-Bretagne, les agriculteurs bio de Pays de la Loire, et ce sont des projets portés par Végépolis Valorial et financés du coup par ces régions-là. Oui, simplement vous dire que sur l'outil Aclimel, c'est dans la continuité des travaux déjà engagés par l'interprofession sur l'adaptation au changement climatique. Donc Interbev a travaillé depuis 2021 à la réponse aux varennes de l'eau sur la construction d'une feuille de route pour les filières bovins et ovins sur l'adaptation au changement climatique. Donc en 2022, on a travaillé notamment avec nos comités régionaux pour identifier les principaux impacts et aléas au changement climatique. Et les comités régionaux se sont mobilisés pour construire des plans d'action par région pour répondre à ces enjeux-là. En parallèle, on a également effectué une étude complémentaire sur l'aval pour avoir plus d'éléments de réponse aussi sur cet enjeu du maillon aval qui était moins ressorti dans les plans d'action des régions. Donc aujourd'hui, on a un document de synthèse qui résume l'ensemble de ces travaux, qui est accessible dans le diaporama que vous aurez, mais aussi sur notre site internet. Donc la plateforme Aclimel, elle rentre dans la continuité de ces travaux, puisqu'elle met à disposition, comme Fabienne va vous le présenter, des leviers techniques d'adaptation au changement climatique. Alors, du coup, ce centre de ressources qui se nomme Aclimel pour adaptation au changement climatique de l'élevage, je sais pas, ça fait un peu, des fois, un peu médicament, mais bon. C'est un centre de ressources sur les aléas climatiques qui permet de rassembler dans un même lieu des informations donc qui sont utiles pour la gestion des aléas climatiques. C'est disponible, vous avez le lien ici. Et donc, sur ce centre de ressources, là, vous avez différents onglets et différents dossiers. Alors, je vous ai mis ici là, une partie de ce que vous pouvez retrouver, mais il y a plein de choses, donc je vous invite d'ailleurs à y aller. D'une part, alors on peut comprendre les mécanismes du changement climatique, donc il y a plein d'informations qui permettent de vulgariser ces connaissances-là. On peut également suivre les conditions météorologiques de l'année et leurs conséquences, notamment via la note agroclimatique et prairie que l'on publie de manière fréquente sur l'année. On a des résultats de projets et études régionales donc, qui sont proposés. Et bien sûr, si vous en avez d'autres et qui ne se trouveraient pas sur ce centre de ressources, n'hésitez pas à nous les communiquer.
il y a des témoignages d'éleveurs, et puis il y a des articles aussi qui ont été proposés sur la gestion des aléas en fonction des saisons. Il y a également un petit dossier où on récapitule l'ensemble des outils, puisque là, ceux que je vous présente, ce n'est pas une présentation exhaustive, il existe d'autres outils sur l'adaptation au changement climatique. Et puis le petit dernier, c'est le module levier, du coup financé par le CNIEL et Interbev. Donc dans ce module levier que je vais vous présenter un peu plus en détail, l'idée c'était, on vous a présenté juste avant là, un ensemble de leviers disponibles, il y en a plein, d'ailleurs là on a recensé en gros près de 50 grandes familles de leviers, donc l'idée c'était d'avoir un outil qui soit simple, intuitif et facilement mobilisable. Donc, qui soit accessible via un écran ordinateur ou smartphone, qui permet de trier très rapidement les leviers en 3-4 clics, voilà, et puis qui soit bien sûr accessible gratuitement. Donc, le public ciblé en priorité, je l'ai déjà dit, ce sont les éleveurs, bon, ici bovins, bovins lait, bovins viande, les conseillers, bien sûr, qui les accompagnent, mais aussi ça peut être destiné à la formation. J'ai déjà dit que c'était construit en partenariat. Vous avez le QR code si vous voulez pour accéder directement à ce module levier. Et là, je vous ai proposé donc les trois captures d'écran. Donc, on arrive pour vous montrer que c'est très simple. Au début, on a donc décidé de cibler les objectifs principaux de ces leviers. Donc, je vais pas vous les citer ici, mais du coup, il y en a. Voilà, on peut adapter la conduite du troupeau pour réduire sa sensibilité aux fortes chaleurs, mais aussi diversifier les ressources alimentaires. Et là, par exemple, si on choisit le dernier, vous ne voyez peut-être pas, il est marqué « Ajuster la conduite du troupeau à la disponibilité alimentaire et aux aléas climatiques ». Donc si on choisit, une fois qu'on a choisi son objectif, on passe à la page suivante qui rappelle d'une part les objectifs qu'on a sélectionnés. Après, on choisit simplement sa filière et puis les types de surfaces que l'on a à disposition sur son exploitation. Et on n'a plus qu'à cliquer sur « Rechercher ». Et on a un ensemble de leviers qui est proposé, puisqu'ils ont été triés, et dans lequel, à chaque fois, on va retrouver des ressources. Donc, ce n'est pas des ressources qui ont été construites pour cet outil, mais on va directement chercher de la ressource qui existe déjà. Et donc, on a accès à des articles, ça peut être des vidéos, des présentations de type diaporama ou même des formats audio. Et à chaque fois, il s'agit de références techniques ou de témoignages. Il n'y a pas d'article scientifique. La destination était vraiment d'avoir directement de l'information technique. Là encore, vous avez un petit tout en bas de la page. Vous avez la possibilité de contribuer si vous avez des leviers. Notamment, il nous manque certaines ressources. Il y a des leviers où il y a un peu moins de ressources disponibles. Et donc, il y a la possibilité de contribuer, bien sûr, et sont validés d'abord par l'ensemble des partenaires avant d'être mis à disposition sur cet outil. Voilà le premier outil. Voilà, maintenant, on va passer au deuxième type d'outil qui s'appelle Climaléa Bovin. Alors, il a deux niveaux. Il y a le niveau test et le niveau diagnostic. Donc, c'est déjà, je vais vous présenter donc Climaléa Test. Et donc, à chaque fois, il a été décliné selon différentes filières. Et donc, de l'Institut de l'élevage, on a coordonné la partie bovine. Donc là, ce niveau-là, là, test, c'est à destination d'animateurs de groupes d'éleveurs bovins. Alors, viande ou lait. Comme je vous ai dit, c'était des projets du Grand Ouest. Donc, pour l'instant, c'est surtout des outils qui sont adaptés à cette région, mais on espère bien les déployer ailleurs. Et donc, ils souhaitaient organiser des réunions d'échange ou de réflexion sur l'adaptation au changement climatique. Alors, pourquoi ? C'est pour faire échanger les éleveurs sur leur perception et leur situation vis-à-vis du changement climatique, mais aussi sur les atouts et contraintes de chacun, de regarder, par exemple, quels étaient les leviers qui étaient mis en place, repérer éventuellement les pratiques innovantes, les pistes à travailler. Voilà, ce qui permet de structurer les échanges. Donc, cet outil-là, c'est un questionnaire qui a voulu être vraiment aussi assez simple. Il y a 20 questions avec des choix multiples. Et ça dure à peu près, le temps de mise en œuvre, c'est 1h30. Et il y a 3 grandes thématiques de questions. Il y a d'une part la production de fourrage et de pâturage, la sécurisation du système et la gestion des stocks, et la partie stress thermique du troupeau. Donc là, je vous ai mis juste un petit exemple, la première page du questionnaire. Bon, ça fait 3 pages, hein, donc ça peut être utilisé par exemple en animation. C'est à peu près 20 minutes le temps de remplir le questionnaire. On prend le café, puis après, pendant ce temps-là, l'animateur renseigne les documents, renseigne les informations dans un outil Excel. Et après, il y a des sorties graphiques sur lesquelles on peut échanger, discuter sur les différents
les différentes contraintes, atouts et les choses qu'on a mis en place, etc. Donc ça, c'est quelque chose de très facile à mettre en œuvre. Donc ça, c'est le niveau test. Et puis, le dernier là, que l'on essaye de mettre en place, c'est le climat Léa Diagne. Et cette fois-ci, donc ça s'adresse surtout à des conseillers, des techniciens qui accompagnent des éleveurs bovins, toujours viandoulés, et donc sur l'adaptation de leur système forager. Donc là, l'idée, c'est de chiffrer les impacts d'un ou plusieurs aléas climatiques. Et après, à partir d'indicateurs et de graphiques, de repérer les déséquilibres au niveau des systèmes, les fragilités, et de réfléchir, bien sûr, aux solutions, notamment en pouvant simuler après la mise en place de ces leviers. Donc cet outil-là, qui est un petit peu plus complexe par contre dans la prise en main, donc il a un bilan fourrager dynamique qui est largement inspiré de l'outil que vous connaissez qui s'appelle le RAMI fourrager, un diagnostic de vulnérabilité qui permet de chiffrer ses pertes et ses gains, et puis un outil de simulation. Donc là, je vous ai mis, c'est plutôt une demi-journée avec l'éleveur, plus il y a un temps de préparation en amont. Rapidement, la démarche et les étapes. Donc la première étape pour cet outil-là, il suffit de choisir la zone. Donc là, je vous ai dit, comme c'était pour l'instant Grand Ouest, on reste sur ces zones-là. On choisit un scénario climatique, c'est-à-dire on choisit ce qu'on a appelé une année aléa. Donc est-ce qu'on va plutôt simuler un été sec ou un printemps peu poussant avec un été sec, parce qu'on peut combiner des aléas, ou un printemps pluvieux, par exemple, ce qui nous est arrivé cette année, ou encore on peut choisir pour l'instant aussi la médiane du futur au niveau projection climatique. Donc pour l'instant, on n'a que ces quatre propositions, mais qu'on pourra dans l'avenir éventuellement compléter. Une fois qu'on a choisi ces scénarios climatiques et la zone, en fait, on va saisir les données du système fourrager, donc des choses un peu qu'on a l'habitude de faire, hein, c'est-à-dire déjà définir toute la production avec l'assolement, les différents couverts et puis les rendements, et puis d'autre part la consommation pour ajuster par rapport aux besoins. Donc on a pour cela pris des références qui sont liées avec les rations INRA 2007. Et là, on a choisi, contrairement au RAMI fourrager, de faire une ration sur 6 périodes pour que ce soit plus simple. Et donc, par contre, ce dont on a besoin à chaque fois, c'est une base de données qui permet d'avoir une production fourragère par zone et par scénario. Une fois qu'on a validé le système, là, on va le projeter dans le scénario qu'on a choisi. Donc, soit, par exemple, le printemps peu poussant ou l'été sec, ou le printemps pluvieux. Et là, on va avoir à chaque fois la différence par rapport au système qui a été validé avant, et puis un ensemble d'indicateurs qui vont nous permettre de chiffrer les pertes, les fragilités, les opportunités, et de voir les évolutions en termes, par exemple, d'autonomie, de stock, de chargement apparent, etc. Donc, et notamment, on peut faire après des hypothèses de fréquence de cet aléa, par exemple. Là, une année sur trois, on a un problème sur un printemps peu poussant, et ce qui génère 47,6 tonnes de matière sèche à trouver, ce qui signifie d'avoir, par exemple, soit de réduire en UGB, soit de trouver de la surface, d'avoir 8,4 hectares supplémentaires. Donc là, on n'a pas encore les leviers. Ça montre simplement là les déséquilibres et qu'est-ce que cela va occasionner. Donc la dernière phase, c'est de prendre le recul, de prendre toutes ces graphiques et ces indicateurs de sortie, d'échanger sur les pratiques et stratégies, d'avoir recours, par exemple, à l'outil que je vous ai présenté juste avant, à Climel Levier, et les autres ressources disponibles, bien sûr, pour trouver des leviers. Et à cette fois-ci, on peut les intégrer à nouveau en repartant à l'étape B pour les simuler dans le système fourrager et ensuite définir le plan d'action nécessaire. C'est un peu rapide, mais j'espère que vous arrivez à suivre. Vous avez peut-être le ventre qui gargouille. Alors, en conclusion, donc, Aclimel et son module levier, c'est des outils qui sont accessibles et disponibles tout de suite. Hein, donc, n'hésitez pas, on vous encourage à y aller et à nous faire aussi des retours si nécessaire, s'il manque des choses. Et Climat Aléa, Bovin, Test et Diag, donc c'est pour l'instant des outils qui sont adaptés à la région Grand Ouest. Ils sont aussi disponibles, je voulais dire rapidement, à d'autres filières. Hein. Il y a grande culture, volaille, porc, etc. Et il y a des adaptations qui sont donc en cours pour d'autres régions. Et là aussi, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous êtes intéressé par ce type d'outils. Comme je vous l'ai dit au tout début,
Ces outils-là, on a choisi de vous présenter ces outils qui sont récents, mais il y a bien sûr d'autres outils qui existaient, qui étaient complémentaires, comme l'Oracle, le ResilGame, etc. Vous pouvez aussi les retrouver dans le centre de ressources à climel.fr. Et je vous ai mis en dernier les contacts, parce que il y a des collègues qui ont coordonné ces projets-là et qui seront plus à même de répondre à vos questions si nécessaire. Donc il y a Aurélie qui vous a présenté juste avant et qui était à la manœuvre sur Aclimel. Voilà. Et les autres collègues, je vous ai mis les contacts si nécessaire. Merci Fabienne et merci Alice. C'est parti.